Un business angel est une personne physique qui décide d'investir une partie de son patrimoine financier dans des sociétés. Le business angel est souvent un cadre d'entreprise en activité ou un ancien entrepreneur. Il a donc une réelle expérience de la vie entrepreneuriale qui l'amène à partager son carnet d'adresses et à donner des conseils judicieux pour favoriser le développement de l'entreprise et la conduire à sa réussite. Tous poursuivent un même objectif, dégager une plus-value substantielle via leur investissement. Les business angels financent uniquement des projets innovants à fort potentiel de croissance. Les business angels apportent non seulement des fonds pour renforcer les fonds propres de l'entreprise et lui permettre de percer sur son marché, mais aussi leur expérience et leurs compétences. Ils restent minoritaires au capital de l'entreprise, mais participent activement à la vie de l'entreprise et à la prise de décision. Les business angels interviennent sur des montants généralement inférieurs à 1 million d'euros, en moyenne entre 300 et 500 000 euros, lorsqu'ils se regroupent pour financer un projet auquel ils croient. Le ticket moyen, c'est-à-dire la somme investie par un business angel, est de 10 à 20 000 euros. La sélection est sévère, mais elle ne porte que sur la faisabilité et la réussite potentielle du projet porté par une équipe compétente. Elle se fait en plusieurs étapes. Le dépôt d'un dossier de présentation du projet, de quelques pages. Si le projet est retenu, l'équipe est invitée à présenter oralement son projet. Si la présentation a intéressé un ou plusieurs business angels, ceux-ci vont approfondir l'examen du projet et commencer les négociations sur les conditions de leur entrée au capital. Le projet est financé après la signature du pacte d'actionnaires. La durée de la levée de fonds est variable, mais s'étale tout de même sur plusieurs mois. 3 mois environ entre le début de la mise en forme du projet et la rédaction de l'executive summary. Entre 5 et 9 mois entre le premier contact et la signature de la lettre d'intention. 1 mois pour la finalisation de la levée et le versement des fonds. La durée moyenne est d'environ 1 an. Idéalement, et si les conditions sont réunies, le business angel revend sa participation dans un délai de 3 à 5 ans. Les différentes sorties possibles: rachat de l'entreprise par un industriel, introduction en bourse, rachat de l'entreprise par un fonds d'investissement.